Bonsoir à toutes et à tous. Comme depuis 3 ans, on vous accueille sur le plateau de Sport en France pour les trophées de la Ligue féminine de basket édition 2023-2024 qui sera dans le 5 majeur de la saison, qui sera élu meilleur jeune de LFB, qui sera le meilleur coach ou la meilleure coach ou qui sera la MVP. On reviendra également sur la saison et puis les playoffs qui se projettent. Vous avez aperçu déjà le trophée. Les playoffs, ça commence sur Sport en France à partir du 18 avril. Avec moi en plateau avant de recevoir les lauréats ou les lauréates. Angelo Tsagarakis, sur ma droite, notre consultant vedette. Ah, vedette, je ne sais pas, mais consultant, certes. Enchanté d'être là, ravi et hâte de pouvoir dévoiler à tout le monde ce que nous savons déjà en coulisses. Et puis, il commentera des matchs avec Angelo ou avec Fred Weiss. C'est Lucien Jahan qui est avec nous. Ça va, Lucien? Ça va très bien. Bonsoir, Lucas. Bonsoir, Angelo. Bonsoir à toutes et à tous. Et bonsoir à tout le monde. On va vous dévoiler dans quelques instants les lauréates, les lauréats. Mais avant de s'attarder sur ces trophées, retour peut-être sur cette saison folle qui a eu lieu en Ligue féminine de basket avec une équipe qui a fini à la première place. On l'a vécu en dernier match, hein, l'USBVA Villeneuve-d'Ascq qui finit leader. Villeneuve-d'Ascq, c'est plutôt une bonne surprise cette année. C'est la confirmation d'une fondation très solide qui s'est faite patiemment, qui s'est faite dans la continuité de la saison passée. Donc pour moi, vis-à-vis de ce qui a été montré, sachant qu'elles ont été tout proches, hein, de venir titiller le titre la saison passée, qu'elles continuent dans cette évolution-là, c'est plus leur parcours en Euroleague qui peut être surprenant. Mais au niveau de la LFB, de les retrouver en tête de lice, connaissant les mésaventures de l'ASVEL, connaissant les problèmes de blessures et les départs de Montpellier, voilà, le fait qu'elles aient réussi à laisser derrière Basketland, qui était en pleine reconstruction aussi, et Bourges, c'est pas si surprenant que ça, parce que pour moi, il y avait plus de continuité et de stabilité au niveau de l'effectif du côté de l'ESVBR. On voit quelques images de cette belle saison, hein, de Villeneuve-d'Ascq qui confirme que c'est la première fois qu'elles vont finir en tête de la saison, Lucien. Ouais, une saison historique, tu l'as dit, Angelo, vous l'avez dit, pardon, on se voit, hein, dans cette émission. Un dernier carré de relis qu'elles vont disputer dès demain. Donc non, vraiment une immense saison de Villeneuve-d'Ascq, la confirmation. On a eu déjà l'an dernier, elles sont passées tout proches, hein, de décrocher le titre. Donc on va voir ce que ça donne cette année, mais en tout cas, impressionnante, les guerrières. Les guerrières qui finissent en tête, on va découvrir le classement final de cette saison régulière et elle aura forcément son importance pour les playoffs et puis pour les playdowns. D'autres équipes auront une autre chose à jouer. On va découvrir le classement, si vous le voulez bien. Villeneuve-d'Ascq en tête, Bourges 2e, Basketland 3e. Les 8 sont connus, hein. Latte-Montpellier, Charnay, Lasvel, Tarbes et Angers. Et puis les équipes qui joueront les playdowns, Charleville-Mézières, Roche-Vendée, Saint-Amand, Landerneau. Est-ce qu'il y a une surprise dans ce classement, Angelo? Non, il n'y a pas une grosse surprise. On sait que la LFB est particulièrement coupe-gorge avec un format à 12 équipes. Donc, on passe du bonheur et du top 8 au play-down, au Pointe-à-Vérage, notamment pour Charleville. C'était exactement la même configuration que la saison passée pour Tarbes, qui se fait squeezer lors de la toute dernière journée de championnat et a dû faire les play-down, qui ont été assez tranquilles, mais dans l'absolu, elles n'ont pas eu l'opportunité de se faire plaisir en play-off. Donc, et pas de surprise, Charleville, c'est toujours cette équipe qui, sur papier, nous fait saliver en début de saison. Et puis, Abigail, les blessures, les difficultés, c'est dommage. Ça reste un peu la seule équipe qui me laisse un goût amer cette saison. Pour moi, il y a une surprise, hein, quand même. Ouais, ouais, bon. Quelle Charnay, surprise. Forcément. Charnay, ouais, le promu qui finit 5e, une saison incroyable. Pour moi, c'est une surprise. On va dire que ce n'est pas une surprise. Oui, non, mais c'est clair qu'il faut mettre cette aventure en avant. Après, dans le secteur masculin, on en a vu. Dans le secteur féminin, on en voit de temps en temps. Mais il y a aussi une dynamique actuelle qui permet aussi, vu l'instabilité dans certains clubs et vu l'homogénéité du championnat, comme on l'a dit, hein, que ce soit Charleville, que ce soit Tarbes, que ce soit Charnay, ça se joue dans un mouchoir de poche. Donc, elles ont fait le nécessaire. Félicitations à elles et c'est tant mieux parce que c'est une belle histoire à raconter. Mais ce n'est pas si surprenant que ça, vu aussi la qualité de l'effectif et la continuité d'une équipe qui monte et qui joue à l'étage supérieur. Généralement, on peut déplacer des montagnes en ayant des joueuses qui ont tout approuvé, mais qui ont aussi le cœur du club, tu vois, qui vraiment… Vous voyez. On aura. Quand je dis tu vois, vous voyez tous. On aura le temps de redérouler un petit peu toutes ces équipes. Et puis la 6e place pour l'ASVEL, on en discutera dans une deuxième partie d'émission avec les playoffs. On se projettera sur vos braquettes d'ailleurs, messieurs. Vous nous les dévoilerez. Un petit souvenir quand même que vous avez envie de nous partager, un moment phare de la saison, Lucien. Ouais, il y en a eu beaucoup. Moi, je pense surtout à la 16e journée qu'on a commenté avec Angelo. On a vibré. Alors, l'ASVEL face au BLMA.
Si on regarde juste le score, bon, score sans appel, hein, 92-74 pour l'ASVEL. C'est les dernières minutes qui ont fait aussi que le score était sans appel. Le match était tendu durant 34-35 minutes et puis elles ont craqué à la fin. Ouais. Mais surtout, c'est le match de tous les records avec une Gabby Williams et une Romane Berniès. Vraiment incroyable toutes les deux, hein. Gabby Williams qui bat 3 records personnels, 36 points, 11 passes décisives, a fini à 43 d'évaluation, ce qui est d'ailleurs le record, hein. Cette saison à l'FB, aucune joueuse n'a fait mieux. Romane Berniès qui lui a répondu pendant tout le match, qui finit à 27 points, son record également. Donc vraiment un match incroyable de ces deux joueuses, deux internationales françaises d'ailleurs. Et c'était la dernière victoire de l'ASVEL en LFB. À préciser que Gabby Williams ne sera pas éligible pour les trophées aujourd'hui. Elle n'a pas fait les 12 matchs réglementaires pour être qualifiable dans les trophées. Est-ce que Marine Johannes était éligible ? Non plus. Non plus. Hein. Angelo, d'ailleurs, vous vouliez rebondir par rapport à cette rencontre votre coup de cœur de la saison ? Mon coup de cœur de la saison, c'est Romane Berniès, mais sans aucune hésitation. Alors bien sûr, Charnay était le coup de cœur en tant qu'équipe. Mais on va pouvoir discuter de ce dossier-là en long et en large dans on va dire, l'analyse des match-up à venir. Mais Romane Berniès, à titre personnel, c'est mon coup de cœur. C'est relié à une conversation qu'on a eue la saison passée quand on s'est déplacé pour couvrir les play-offs et j'ai eu l'opportunité d'échanger un peu avec elle. Et j'ai toujours pensé que c'était une joueuse qui avait en elle la capacité d'être une tueuse. C'est une joueuse vraiment exceptionnelle dans le collectif, dans le lien qu'elle peut créer au sein d'un collectif, mais je la trouvais parfois trop discrète, volontairement. Peut-être que c'était aussi son naturel qui prenait le dessus, alors que pour moi, sa technique individuelle, son agressivité, sa vitesse, tous ces éléments qui font d'elle une internationale aujourd'hui, je pensais qu'elle pouvait passer un petit palier supplémentaire, et elle l'a fait cette saison. Elle a fait la meilleure saison statistique de sa carrière. C'est un peu le contexte de l'équipe qui lui a forcé son naturel, mais... Elle est autant créatrice qu'elle ne l'était quand elle était simplement plus dans la passivité. Elle fait la meilleure année au scoring, donc coup de cœur, Romane Berniès. Candidate possible pour disputer les Jeux Olympiques avec l'équipe de France. Et puis pour moi, messieurs, si vous me permettez, les confrontations entre Basketland et Villeneuve-d'Ascq cette année qui m'ont beaucoup, beaucoup plu. Que ce soit le match aller, on s'en souvient. Je ne sais pas si on a toujours cette image, mais le panier au buzzer sur un système de Shona. D'ailleurs, parce que j'avais dit Julie Barène sur un système de Shona travaillé avec Gazelle Soder qui finit. Ouais. Et puis le match retour au Palatium qui était d'une intensité vraiment magnifique pour conclure un petit peu cette saison. Donc vraiment coup de chapeau à deux équipes qui ont fait de très belles choses en Euroleague puisqu'on retrouvera Villeneuve-d'Ascq du côté de la Turquie. Les trophées. Ah, on est prêt, Lucien ? Bien sûr. Allez, sans plus tarder, on va vous dévoiler les trophées de la Ligue féminine de basket 2023-2024. Précision sur les scrutins qui ont été organisés auprès des joueuses de la division en collaboration avec le SNB, le syndicat national des basketteurs, et d'un panel de médias dont on fait partie, Lucien. Donc, sans plus tarder, on va pouvoir vous présenter les 5 joueuses qui ont marqué la saison, qui ont le privilège d'être dans le 5 majeur 2023-2024. On découvre. Carla Leite, Kennedy Burke, Janelle Salin, Dominique Malonga et Kayla Alexander. Un 5 qui a plutôt fière allure. 5 qui a fière allure et puis qui tease en plus un potentiel trophée de meilleurs jeunes de la saison. Il y a les deux meilleurs jeunes potentiels, en tout cas deux des trois meilleurs jeunes potentiels qui se retrouvent donc dans le 5 de la saison. La jeunesse au pouvoir, on aime bien. Et puis surtout, c'est quelque part une belle récompense parce que d'avoir réussi à amener... Bien entendu avec le soutien d'Isabelle Yacoubou, mais Isabelle a été diminuée puis n'a pas terminé la saison. Donc d'avoir réussi à tenir le cap,
Chapeau les jeunes. On peut vous saluer les jeunes. Janaël Salin n'est plus potentiel meilleur jeune de la saison, même si on peut saluer sa grosse saison, année peut-être de la confirmation après une petite désillusion sur la finale de l'an passé. On s'en souvient, vice-championne de France. Mais là, elle passe de 10 points par match à presque 15, de 12 déval à 16, avec de très hauts pourcentages au tir, 50% au tir pour une shooteuse. Ouais, moi, c'est ce qui m'a bluffé vraiment, c'est le pourcentage à 3 points aussi. 44,2% à 3 points sur la saison. L'an dernier, elle était à 27,9%. Il y a eu de gros progrès dans le secteur, mais dans tout. De toute façon, Janelle Salin, elle a explosé cette saison. Et elle est beaucoup plus régulière. C'est vrai que l'an dernier, elle avait tendance parfois à faire un gros match et puis passer un peu à côté, au travers, dans d'autres matchs, notamment dans les playoffs, les finales. Ouais. Et là, cette saison, il y a eu très peu de matchs où elle est passée au travers. Vraiment, toute la saison, une régularité exemplaire. Donc chapeau Janelle, et c'est amplement mérité d'être dans le 5 majeur. Une autre mention qu'on a envie d'aborder, vous parliez des jeunes qui ont explosé du côté de Tarbes, effectivement Dominique Malonga et Carla Leite dans le meilleur 5, c'est joli quand même à cet âge-là d'être dans le meilleur 5 de la saison. Oui, après c'est tellement plus probable dans le basket féminin où on le voit d'année en année où les jeunes arrivent à passer ce cap peut-être plus facilement que leurs homonymes masculins. C'est vraiment intéressant parce qu'elles se complètent parfaitement. C'est le duo dynamique complémentaire. Je m'occupe de l'extérieur, tu t'occupes de l'intérieur. T'es fatigué, je prends la relève. Allez, vas-y, maintenant, c'est à ton tour. C'est assez intéressant puisque c'est compliqué d'arrêter un axe 1-4-5 où il y a cette possibilité de collaboration, d'alternance dans le jeu aussi. Les équipes qui sont les plus dangereuses sont généralement celles qui arrivent à avoir cette alternance. Donc, quand on est capable d'aligner un talent aussi percutant à l'extérieur, mais d'en avoir un tout aussi percutant à l'intérieur, c'est ce qui permet à Tarbes d'être à l'heure actuelle dans Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une continuité. Par exemple, Carla Leite, qui est élue meilleure jeune de la saison passée, qui est dans le 5 de départ avec de meilleures stats encore que l'an passé. 16 points par match. J'ai regardé, aucune Française n'a fait mieux en deuxième année pro depuis Sandrine Gruda, qui avait mis 17 points par match avec Valenciennes à l'époque, dans sa deuxième saison professionnelle. 2007-2008 Oula, alors là, Lucas, il me tue sur les années. En tout cas, on va voir si Carla Leite est sur un back-to-back ou potentiellement Dominique Malonga ou une autre. C'est maintenant qu'on découvre la meilleure jeune de la saison. Dominique Malonga, de retour de Chine. Et oui, Dominique Malonga est élu meilleur jeune de la saison 2023-2024. Le back-to-back, il aura lieu du côté de Tarbes, finalement, le TGB qui enchaîne. La spécialité un petit peu de Tarbes. Félicitations, Dominique, une première réaction. Non, vraiment, beaucoup de fierté. Franchement, je suis très contente. J'en perds mes mots même parce que voilà, c'est vraiment une saison que j'avais beaucoup d'espoir. Parce que voilà, je sortais de deux saisons à la ZEL où je n'avais pas beaucoup joué. Et donc, quand je suis venue à Tarbes, c'est vraiment pour avoir ce temps de jeu. On a beaucoup parlé de moi, le prospect. Voilà, et j'avais vraiment, vraiment besoin de prouver à tout le monde que ce n'était pas que des mots et que voilà, j'étais capable de réussir sur le terrain. Et donc, vraiment, c'est beaucoup de fierté et la confirmation d'une longue saison de travail et rien que le début de grandes choses qui s'annoncent. C'est vrai qu'on s'en parlait avant l'émission, mais vous aviez déjà fait deux saisons professionnelles, mais là, c'est votre vraie première saison. Vous êtes à la fois meilleur jeune, on voit le petit trophée juste devant vous, et dans le 5, le meilleur 5, c'est énorme. Non, vraiment, c'est énorme. Ça montre juste que les gens avaient pas tort et que tout simplement, à force de travail et vraiment à force de persévérance, de toute façon, dès qu'on a des objectifs, on peut les atteindre et qu'il ne faut surtout pas se brider ou voilà, il ne faut jamais hésiter. Quand on croit en soi, on est les premiers à se pousser en fait. Et voilà, il faut toujours croire en soi et tout va nous réussir. Ouais, je parlais des stats de Carla, on peut parler des stats de Dominique aussi cette année. Hein. Elle est brillante dans tous les secteurs. Meilleure contreuse de LFB, s'il vous plaît. C'est classe, Angelo ? C'est très classe. Bon, après, je te rassure, on s'attendait tous à témoigner de ton éclosion. Il est évident que le contexte ASVEL avec une grosse raquette, avec un calendrier lourd, avec de grosses ambitions et surtout des joueuses avec un statut qui impliquait aussi une utilisation importante des minutes,
le fait d'être parti, d'avoir cherché un projet où la raquette t'appartenait en collaboration avec Isabelle, mais vous piétinez pas sur les mêmes plates-bandes. Donc, c'était une opportunité, je pense, que tu as su saisir dans ton éclosion personnelle. Et il n'y a rien d'étonnant vis-à-vis du talent qui est le tien, mais reste à le faire aussi sur le terrain. Donc, tu as montré une abnégation et une solidité mentale de répondre aux attentes. Donc, félicitations. Merci. Lucien, tu as une question pour Dominique ? Ouais, j'en ai beaucoup, des questions pour Dominique. Non, déjà, je voulais savoir, Dominique, tu es très jeune, tu as 18 ans, il y a beaucoup d'attentes qui sont placées en toi. Moi, je voudrais savoir comment tu gères ça. Moi, déjà, je me concentre sur moi d'abord. Je pense que c'est la solution. C'est vraiment, voilà, il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup de choses qui se disent, etc. Mais le plus important, c'est moi. Qu'est-ce que je veux, moi ? Où est-ce que je veux aller ? Voilà, j'ai toujours été une personne assez pragmatique et très réfléchie. Donc, moi, je réfléchis beaucoup à, voilà, je me cale des objectifs. Limite, je me fais des listes moi-même, quoi. Enfin, vraiment très, très construit. Et c'est comme ça que je me construis, en fait, à travers moi, ce que je veux, mes propres objectifs. Et après, sur ta liste ? Je vais pas mentir, oui. Coché. Voilà, j'ai beaucoup d'objectifs et voilà, je suis assez ambitieuse, donc je vise assez haut, donc voilà. Et non, aussi toutes ces sollicitations, on va dire, c'est aussi un plus pour moi et je les prends positivement et c'est aussi des sources de motivation, tout simplement pour moi-même, pour me prouver aussi que voilà, je suis celle que dont on parle finalement et que je suis capable donc voilà de faire rêver des gens aussi et c'est vraiment ça qui me porte donc je me concentre sur moi mes propres objectifs mais je me cache pas non plus et vraiment je prends un peu tout ce qu'on peut me donner et moi je donne ce que j'ai à donner. Meilleur jeune c'est coché, case playoff là avec Tarbes, il y a peut-être une case à cocher, puis il y a l'équipe de France, vous êtes en bleu là, vous avez fait une belle petite campagne du côté de la Chine, il y a Paris 2024 quand même cette année. Bah, je pense que tout le monde en rêve de Paris 2024, de tout simplement les JO à la maison. J'ai mis un pied en équipe de France pour de vrai cette fois sur le terrain au TQE en Chine. Donc voilà, je me suis un peu plus rapprochée de ce rêve, un rêve qui a un objectif aujourd'hui. Et voilà, maintenant, je sais que j'ai encore beaucoup de travail et que j'y suis pas encore et qu'il y a encore une grosse prépa qui s'annonce. Donc voilà, moi, d'ici là, je vais tout donner, je vais travailler. Et puis voilà, on verra à la fin dans la liste des 12 au final si j'y suis ou pas. Mais en tous les cas, je vais me donner les moyens pour y arriver. En tous les cas, vous faites une superbe saison avec Tarbes puisque le TGB est de retour en play-off. Une 7e place, c'était un objectif de groupe. Vous aviez envie vraiment de les faire et il y a une belle opposition contre Bourges qui vous attend. C'est ça, tout à fait. Non, vraiment, dès le début de la saison, c'était l'objectif principal, être en play-off. Parce qu'on est dans le club de Tarbes est dans un projet de reconstruction aujourd'hui et pour ça, il fallait passer par là, il fallait retrouver une Coupe d'Europe. Voilà, donc c'est vraiment un processus qui est lancé par cette compétition-là. Les play-offs, c'est totalement une autre compétition dans l'année. Donc voilà, on a Bourges en face, on sait qui est Bourges. Je pense que Bourges, on ne découvre pas cette équipe. Hein, depuis des années, elles sont assises en LFB aujourd'hui. Donc voilà, mais nous, on sait aussi que Tarbes, on a causé pas mal de surprises aussi cette année. Et voilà, donc on ne part pas, on ne baisse pas la tête. On va les regarder les yeux dans les yeux. Et puis, on va montrer qu'on sait jouer au basket, nous aussi. Lucas, est-ce que j'ai une petite question ? Bien sûr, une dernière. Une dernière. Alors, dans mon esprit, c'est assez clair. Quelle est la joueuse qui, pour moi, te ressemble et celle vers qui tu devrais tendre à ressembler ? Mais je veux voir si on partage peut-être la même opinion. Il n'y a pas beaucoup de joueuses, voire même pas du tout de joueuses, qui ont ton profil de jeu au niveau de ton envergure, de ton talent associé à cette envergure. Est-ce qu'il y a une joueuse qui est ton modèle, ancienne, récente, une joueuse sur laquelle tu t'inspires ? Ou plusieurs, oui, non, ou pas du tout. Moi, il y a vraiment une joueuse que je m'inspire, c'est ma joueuse préférée. Hein, ouais. Okay, c'est vraiment Brianna Stewart, c'est ma joueuse. C'est ma joueuse préférée. Et récemment aussi, je m'intéresse beaucoup de plus en plus à Emma Messman parce qu'elle fait des choses incroyables aussi. Et c'est aussi un style de jeu vraiment un jeu intelligent que je recherche vraiment, cette manière de Messman, comprendre la le belge jeu. Et l'américaine Stewart, et l'américaine, hein, c'est ça. On précise. c'est ça, exactement. Donc, moi, je t'encourage à vraiment disséquer la vidéo de Candace Parker. Ah, Candace. Parce que dans un profil 4 large, capable de shooter, jouer face au cercle, la dextérité, lecture de jeu dos au panier, le fade away, c'est une masterclass. Candace. Et je pense que c'est la joueuse qu'elle peut vraiment émuler encore plus que les autres joueuses qui sont exceptionnelles, mais qui ont, je pense, un profil un peu différent du tien. Donc de t'inspirer d'elle sur certains secteurs de jeu, c'est clairement intelligent, mais je pense que si tu arrives à émuler ce qu'a fait Candace Parker, sachant que c'est une des toutes meilleures joueuses de l'histoire de notre sport, tout simplement,
à une joueuse qui avait marqué à la fin des années 2000 avec un dunk en match. Je sais que Dominique, vous me l'avez promis ce dunk en match, vous me l'avez promis. Donc on verra s'il arrive en play-off ou s'il arrive avec l'équipe de France ou peut-être à la fin de l'année 2024. À la date 2024. Hein. Non, on l'embête avec ça, Dominique, à chaque fois. Mais Isabelle Yacoubou, qui était sur votre plateau, monsieur Lucien Jarron, vous a posé une question, il me semble. Est-ce que tu penses que bientôt, je pourrais citer une joueuse, mais je ne vais pas le faire, mais tu sais de qui je parle. Est-ce qu'une joueuse pourrait dunker en LFB, peut-être même sur les playoffs, en contre-attaque, ou est-ce que tu penses que ça peut être réalisable? Alors, je pense qu'elle est prête pour ça. Mmh. Dominique Malonga. Évidemment, mais elle ne le sait pas encore. D'accord. Donc, encore une fois, nous, on est là pour accompagner les gens dans leur tempo. Mais on va travailler sur ça, ça c'est sûr. On ne va pas faire de promesses, mais l'année prochaine, il devrait y avoir des surprises quand même. Il devrait y avoir des surprises quand même. Ça veut dire quoi, ça, Dominique? Non, je pense que tout le monde sait aujourd'hui que je suis capable de dunker vraiment facilement. Vraiment, enfin, ça devient de plus en plus naturel. Maintenant, c'est un mindset à avoir, en fait, parce que moi, je suis vraiment focus dans le match à marquer mon panier que ça ne me vient pas à l'esprit que je peux le dunker. En fait, je vais tellement marquer que moi, je suis sans mon lièvre pour marquer, quoi. Et c'est après l'action que je me dis « Ah, en fait, j'aurais pu la dunker parce que finalement, je fais mon hook, je vois que l'arceau, il est là. » Je fais « Ah oui, là, j'aurais pu éclater. » Ça, c'était quand j'étais passé du côté de Tarbes. Vous m'avez montré un petit peu de quoi vous étiez capable. Ouais. C'est très facile, hein. Pour préciser, vous en avez enchaîné 3-4. Ouais. Voilà, comme ça. Enfin d'entraînement. Alors, je vais te briser le mythe tout de suite. Je n'ai jamais fait ça. On va faire très simple. Pour en revenir sur Isabelle Yacoubou, qu'est-ce qu'elle vous a apporté? Qu'est-ce qu'elle vous apporte? Qu'est-ce qu'elle vous transmet au quotidien? Isa, c'était vraiment particulier cette saison parce qu'on a commencé avec elle sur le terrain. Donc, c'était vraiment beaucoup de... Enfin, vraiment, c'était partage d'expérience tout le temps sur le terrain. Apparemment, t'es sa Bambi, c'est ça? Bambi, mais moi, elle m'a dit, je ne l'appelle plus Bambi. Maintenant, c'est l'OVNI. Ah, l'OVNI. Ouais. Ah. Non, parce que voilà, c'est vraiment un partage d'expérience permanent parce qu'elle a tellement de choses à donner et nous, on avait tellement de choses à apprendre. Je dis nous parce qu'il y a moi, il y avait Jess aussi, Jasmine Tidja, une autre jeune aussi qui se développe très très bien. Et voilà, donc nous, c'était vraiment en permanence en train d'aller la voir pour avoir des conseils et tout parce que je pense que quoi de mieux que d'évoluer à côté d'une joueuse comme ça. Je pense qu'elle a tout vécu dans le basket, vraiment, et surtout à l'intérieur. Voilà, elle avait tout à nous apprendre, donc vraiment, c'était que du positif. Et puis Isa, c'est une maman aussi, elle a ses enfants à côté, donc elle a aussi ce côté maternel un peu, donc où on est toujours à l'aise pour aller lui parler, que ce soit sur le terrain ou hors du terrain. Donc non, vraiment, elle m'a beaucoup apporté cette saison. Même en dehors du terrain, lorsqu'elle elle a arrêté, voilà, elle m'a beaucoup aidée dans, entre guillemets, ce transfert-là, parce que voilà, fallait que quelqu'un puisse prendre la raquette derrière elle. Et vraiment, elle a été d'une grande aide, vraiment. Ah, une légendopédie d'appui, de jeu de haut panier. Exactement. Franchement, mastery du positionnement, prise de position. À l'heure actuelle, si on aurait l'opportunité de l'avoir dans notre raquette au JO, ce serait... Ah oui, mais madame Isabelle Yacoubou a pris sa retraite Simplement. À l'heure actuelle, elle est encore inégalée, tout simplement. En tout cas, elle a pris sa retraite. On peut avoir un aperçu d'ailleurs des statistiques. On peut saluer la joueuse qu'elle est et qu'elle a été sur cette année parce que regardez les statistiques, elles sont monumentales. Isabelle Yacoubou en 9 matchs disputés. Voilà, la meilleure rebondeuse, il faut le préciser, du championnat. Juste exemplaire, grande un madame. Un joueur blanc, un contre 1. On ne peut pas défendre sur Isabelle Yacoubou un contre 1. Il faut venir à aider. C'est aussi simple que ça. En tout cas, voilà, elle prendra... Je peux en témoigner. Elle a déjà un recul sur elle-même. Moi, j'ai eu la chance et le plaisir de discuter avec elle pendant plus d'une heure. Et elle vient d'arrêter sa carrière, mais il y a déjà un recul sur tout ce qu'elle a fait, sur ce qu'elle a apporté aussi au TGB, sur ce qu'elle empêchait aussi. Elle m'a parlé, par exemple, de Jasmine Zodia. Elle m'a dit que c'était super qu'elle ait arrêté pour laisser aussi la chance à des jeunes comme Jasmine de s'imposer. Donc vraiment, une discussion très intéressante. Et puis le choix d'aller à Tarbes était aussi une transition. Elle savait très bien quel était le cheminement qu'elle avait choisi. Donc, c'était la transmission. Son après-carrière? Son après-carrière, puis la transmission et le fait de finir en se faisant plaisir. En démontrant que c'est son choix de partir et non pas qu'elle était contrainte de le faire parce que physiquement elle était plus apte ou que son talent ne lui permettait plus d'officier au plus haut niveau. Non, non. Un choix de carrière qui sera celui, pourquoi pas d'entraîner puisqu'elle sera l'assistante de François Gomez officiellement la saison prochaine du côté de Tarbes. En parlant d'entraîneur, c'est le moment de saluer l'entraîneur de l'année. Quelle transition, Lucas. Ben oui, mais il fallait que ça arrive. C'est propre, c'est un métier. C'est un métier. Un nouveau trophée qui va être dévoilé dans quelques instants, on découvre.
Rachid Méziane, nommé pour la première fois de sa carrière meilleur entraîneur pour saluer une saison parfaite ou quasi de Villeneuve d'Ascq cette année. Meilleur entraîneur LFB 2024. Le trophée est bien sur le plateau, mais vous savez que Villeneuve d'Ascq est du côté de la Turquie. Malheureusement, il se passe le Final Four, de l'Euroleague. Donc heureusement ou malheureusement, c'est vous qui voyez. Rachid Méziane, qu'on a eu l'occasion d'échanger avec lui, en tout cas à distance. On lui a posé quelques questions, et ma première question pour lui, forcément, quelle est votre première réaction? J'ai forcément un sentiment de fierté et de gratitude à recevoir ce premier trophée d'entraîneur de l'année. Mes premières réactions, elles vont forcément vers mes collaborateurs, ceux qui m'ont permis de ce succès. Je pense bien entendu à ma direction et à mon président Carmelo Scarna et à mon manager général Christophe Vitou qui me permettent aujourd'hui de manager leur équipe professionnelle. Et puis bien entendu vers mon staff technique, en premier lieu mon fidèle adjoint Antonio De Barros, Hugo Rack, Ilyes Dekil, notre préparateur physique, et aussi remercier mon staff médical avec Maïté Debel, Jérôme Rigaud, nos physios, notre ostéopathe Alexandre Demont et puis notre médecin Béchir Boujema qui me permettent bien entendu de pouvoir performer avec la mise à disposition de tout mon effectif et que bien entendu je remercie également puisque sans eux et sans les résultats, je ne serais certainement pas nommé entraîneur de l'année. Rachid Méziane qui remercie l'ensemble de son staff. Et puis, il faut rappeler que ça faisait 2 ans de suite que le SBVA avait fini à la 2e place. Donc, on lui a demandé qu'est-ce qui a fait la différence par rapport aux 2 années précédentes. En quoi vous êtes plus fort cette année? Ce qui a d'abord changé, c'est le nombre de votes. Puis, moi, personnellement, j'ai l'impression d'avoir grandi après le titre gagné de champion d'Europe avec les 4 de la Belgique. Et collectivement, j'ai vraiment l'impression que cette année, on est encore plus en harmonie dans la façon de jouer et qu'on a un engagement total de la part de l'équipe. Donc, je pense que c'est des choses qui ont évolué depuis la saison dernière, même si nos performances elles peuvent s'inscrire dans la continuité, dans la mesure où il y a 2 ans, on finit 2e du championnat, l'an dernier, co-leader, et cette année, on finit la saison régulière à la première place. Donc les choses qui me semblent ont évolué depuis la saison dernière. Pourquoi elles sont plus fortes cette année, les filles de Villeneuve d'Ascq, Angelo? Ce genre de questions qui, je pense, est aussi pertinente que piégeuse, c'est que en tant qu'entraîneur, on maîtrise certaines choses et on ne maîtrise pas d'autres choses. On maîtrise le recrutement qu'on fait, on maîtrise le plan de jeu, mais on ne maîtrise pas l'investissement des joueuses, même si on doit l'influencer, qu'on doit s'assurer, qu'on prenne les bonnes décisions et qu'on communique correctement pour que les joueuses puissent vraiment rentrer dans le projet corps et âme. Mais à un moment donné, ce n'est pas nous qui mettons les paniers, ce n'est pas nous qui arrivons à s'assurer que la concentration sur un temps mort, par exemple l'exécution de la dernière action… Mais il y a un petit côté continuité non, qui marche de mieux en mieux chaque année. Et c'est le dernier aspect, merci, ouais. Parce que c'est la passe parfaite. C'est aussi l'alchimie au sein du groupe. C'est-à-dire que parfois, on peut recruter une équipe monumentale sur papier, mais entre elles, les joueuses n'arrivent pas forcément à avoir ce lien, cette envie de faire les efforts… ou de faire le plus d'efforts, le supplément, le truc qui ne peut pas vraiment se décrire. C'est cette chose un peu subtile et intangible. Et il semblerait que Villeneuve d'Ascq l'est. Entre elles, il y a une réelle alchimie, il y a une réelle cohésion, il y a la volonté de voir l'autre briller, ce qui n'est pas forcément le cas partout, parce qu'on sait qu'on est dans le basket de très haut niveau, donc les statistiques individuelles qui dictent aussi les contrats qu'on aura les saisons d'après, puis aussi les égos, et il y a toutes ces choses-là. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'égo à Villeneuve d'Ascq. Pourtant, il n'y a que des tueurs à gages et il n'y a pas d'ego. Mais c'est aussi grâce à Rachid Méziane. Donc, c'est un enchevêtrement ces petits détails qui sont si difficiles à gérer, si difficiles à maîtriser, mais parfois avec un petit peu de poudre magique et un peu de réussite aussi, on a la formule qui fait que
on déplace les montagnes et on arrive à aller au Final Four pour la première fois de l'histoire. On arrive à finir première, on arrive à potentiellement être favorite de play-off, ce qui n'a jamais été le cas auparavant. Et donc, en tout cas, cette poudre magique dont vous parlez, le sorcier Méziane a bien su l'utiliser, puisque en plus, il a évolué. On sent qu'il a passé un cap depuis cet Euro gagné avec la Belgique. Et c'était la question que je lui posais. Oui, bien sûr, complètement. Je pense que ce titre avec les Cats vient valider des méthodes en termes de pédagogie d'entraînement, mais aussi en termes de management. C'est forcément quelque chose qui fait grandir. On a l'impression de devenir un peu plus expert dans certains domaines. Et c'est vrai que c'est là quelque chose qui est venu forcément renforcer ma confiance et mon savoir-faire. Donc, dans la mesure en plus où j'ai des joueuses belges dans mon effectif, donc il y a des passerelles et des raccourcis qui se font assez facilement. Donc, je confirme que ça m'a permis de grandir. Elles vous ont impressionné cette année, les filles de Villeneuve, Dominique? Franchement, je pense qu'elles ont impressionné tout le monde. Hein. Moi, je me rappelle notre premier match de championnat, c'était Villeneuve. On a pris 25 points à Tarbes. Villeneuve, c'était vraiment le rouleau compresseur cette année. Le 5, le banc, tout le monde est rentré. Elles mettaient la même intensité pendant 40 minutes. Donc vraiment, je pense que c'est ce qui leur a réussi aussi. C'est que sur tous les matchs, elles pouvaient répondre physiquement et techniquement. Donc, vraiment, et pour toi, en tant qu'adversaire, quand tu es dans le match, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ressens dans la dynamique de l'équipe, ou est-ce que tu identifies une joueuse qui, peut-être, même si ce n'est pas forcément la même d'un match à l'autre, on en est bien conscient, mais est-ce que tu sens tout de même dans ce que tu observes et ce que tu as pu voir, tu les as jouées deux fois cette saison, une joueuse qui fait que tout va? Une joueuse, alors bien sûr, on peut parler de Kennedy, mais il y a la capitaine, Caroline Herriot, et puis tu as d'autres joueuses comme Smalls qui sont tellement clutch, tellement dans l'agressivité. Qu'est-ce que toi, tu ressens en tant que joueuse face à elle? Je pense que c'est comme tu l'as dit, il y a vraiment une alchimie à Villeneuve qui fait qu'en fait, tout le monde, c'est des grosses joueuses, mais tout le monde joue pour l'autre, en fait. Elle joue vraiment pour l'autre, et c'est peut-être que ce sera Janelle qui va se jeter sur ce ballon, et l'action d'après, en fait, ce sera Burke, puis Caro, puis etc., etc. Donc vraiment, elle joue tout ensemble pour l'équipe, en fait. Il n'y a pas d'égo, voilà. Quoi. Non, pas vraiment, c'est tout le monde se pousse, en fait. Tout le monde se pousse et tu sens, dès qu'il y a un panier, l'énergie qu'elles mettent, etc. Vraiment, c'est dans leur tête, elles sont animées, quoi. Donc, on sent qu'il y avait un esprit un peu de revanche après cette finale perdue. Ouais. Elles sortaient de cette finale perdue, elles vous jouaient derrière. Forcément, elles avaient envie de mettre 20 points à Tarbes. Ça, c'est logique. Lucie, on va enchaîner parce qu'il y a Rachid qui va nous resaluer, justement. Il nous parle de cette finale perdue et à quel point elles se seront mobilisées derrière. Le premier réflexe suite à la défaite la saison dernière, c'est de chercher, bien entendu, à comprendre pourquoi on avait perdu. Alors, bien entendu, l'avantage du terrain, c'était quelque chose qu'on voulait cette année, et c'est ce qu'on est allé chercher en finissant premier de la saison régulière. Mais la deuxième réflexion, elle a été menée sur la façon de construire l'équipe, et j'ai senti, en tout cas, le besoin d'avoir des joueuses plus expérimentées pour pouvoir mieux appréhender ces play-offs et ces phases finales. Et c'est ce qu'on a cherché à faire avec le recrutement d'une joueuse comme Chavonte Zelous, qui, du haut de ses 450 matchs WNBA et son titre d'Euroleague, vient nous apporter ce manque. Et bien entendu, continuer à faire grandir nos jeunes joueuses françaises. Et là, j'ai une pensée, bien entendu, pour Janelle, pour Caroline, pour Maya. Et puis continuer à s'appuyer sur les joueuses cadres que nous avions déjà la saison dernière, comme Kamaya Smalls, Kennedy Burke et Kariata Diaby. Et malgré tout, conserver la politique qu'on veut avoir au niveau du club en recrutant Aminata Gueye, justement, sur qui on compte sur les années à venir. Et conserver des compétences défensives comme peut nous l'apporter Maxola Lesoa Mbaka et puis Betty Mununga. Donc voilà un peu comment on a voulu rebondir de cette défaite. Les finalistes de 2023 qui auront à cœur d'aller chercher le titre cette année en 2024, elles seront leaders et avec l'avantage du terrain. Et la question que je lui posais, forcément, est-ce que ça sera une déception, une désillusion de ne pas gagner cette année? Ah,
Je peux pas considérer que ça serait un échec. Ça serait quand même une grosse déception. Et ça a généré chez nous beaucoup de frustration au regard de notre saison. C'est vrai que finir premier de la saison régulière était devenu un de nos objectifs à partir de janvier. Et voilà, donc ça viendrait bien entendu pas récompenser la régularité dont on a fait preuve pendant cette saison. De là à parler d'un échec, voilà, ça serait quand même être dur, parce que, et ça serait manquer de respect aussi à nos adversaires. J'espère que l'avantage du terrain va nous sourire, comme ça a pu sourire à l'ASVEL la saison dernière. Mais bien entendu, tous compétiteurs que nous sommes, on serait bien entendu voilà, très déçus de ne pas soulever le trophée en fin d'année. Je sais que beaucoup d'équipes, et de nombreux veulent en tout cas soulever ce trophée. On fait partie de ces gens-là aussi. Voilà, maintenant, je ne pourrais pas qualifier ça comme un échec. Et non, ils ne qualifieraient pas ça comme un échec. En tout cas, elles auront envie d'inscrire le nom Villeneuve-d'Ascq sur le trophée juste en face de moi, ce trophée qui n'est pas le prochain qu'on va décerner, puisqu'il y a encore un trophée individuel à offrir. C'est le trophée de MVP. On découvre. Back-to-back pour Kennedy Burke qui remporte le titre de MVP pour la deuxième fois de suite. D'ailleurs, elle devient la première joueuse à faire le back-to-back depuis l'unification de ce trophée en 2018. Vous savez, avant, il y avait un trophée pour la meilleure française et la meilleure étrangère depuis 2018. C'est un seul et même trophée et donc c'est pour Kennedy Burke pour la première fois un back-to-back. L'américaine, comme Rachid Méziane, vous l'aurez compris, qui n'est pas en plateau avec nous, mais bien depuis la Turquie. On lui a posé tout un tas de questions à Kennedy. Back-to-back MVP, forcément, on se posait la question. J'avais envie de lui demander à quel point elle a été meilleure par rapport à l'an passé, même si ses stats de points sont inférieurs. Mais l'évaluation est plus forte. Je lui ai posé la question. Pour être très honnête, je ne le vois pas comme une récompense individuelle, mais plus comme une récompense de l'équipe. Le fait que j'ai été nommé MVP, je dois donner le crédit à mes coéquipières. Ça n'aurait pas été possible sans elles. Donc je pense que c'est plus un Villeneuve-d'Ascq trophée de MVP qu'un trophée Burke. Il est mérité ce trophée, Dominique, vous l'avez joué yeux dans les yeux. Elle sait tout faire, cette joueuse. Non, il est largement mérité parce qu'aujourd'hui, Burke, c'est vraiment l'arme que tout le monde devrait avoir dans son équipe. Elle peut un peu tout faire, elle est dangereuse à l'extérieur, pardon, dans la raquette, elle prend des rebonds, elle court, elle est mobile, elle est physique. Non, vraiment, elle est complète, vraiment complète. Et bah, en back-to-back, elle l'a montré sur des saisons, elle reste constante. Et vraiment, c'est vraiment, je pense, la joueuse... que tout le monde voudrait avoir dans son 5. Je disais, les stats au point sont inférieures par rapport à l'an dernier, mais c'est vrai qu'elle a tellement cumulé dans tous les autres compartiments du jeu. Lucien, c'est impressionnant. Regarde les stats. Ouais, la meilleure joueuse de la meilleure équipe, tout simplement. C'est vrai, elle marque moins. Elle a le même temps de jeu, hein, par contre, 29 minutes sur la saison régulière. Par contre, elle prend plus de rebonds, elle fait plus de passes, elle intercepte plus de ballons. Et vous l'avez dit, Lucas, elle a une meilleure évaluation. Donc, clairement méritée pour Kennedy Burke. Rachid Méziane lui avait dit, si tu viens à Villeneuve-d'Ascq, tu seras MVP. Eh bien, elle est même deux fois. Ouais, elle qui, voilà, les stats sont impressionnantes. 15 points, 5,7 rebonds, 2,9 passes à l'interception. C'est une des meilleures dans le registre. Et puis, l'évaluation en permanence, Angelo, c'est solide. Non, mais son flair, son sens de l'interception est absolument incroyable. Elle a cette anticipation, puis elle a cette compréhension du jeu où elle fait penser à son adversaire que les mains sont ballantes, presque qu'elle ne regarde pas ce qui est en train de se passer, puis elle jaillit. Mais la chose qu'il faut vraiment mettre en avant avec Kennedy, c'est son énergie positive au sein du groupe. C'est-à-dire que c'est la catalyseur des bonnes vibes, comme on peut dire, au sein de ce vestiaire, et je pense que c'est contagieux. Et c'est une des raisons, pour la suite de la compétition pour Villeneuve-d'Ascq, au-delà de l'Euroleague, je parle hein, des playoffs LFB justement, j'ai tout de même des réticences parce que de perdre une Kennedy Burke, c'est pas juste statistiquement qu'on la perd, c'est aussi dans le vestiaire.
Oui, parce que Kennedy Burke, vous le savez, ça a été annoncé depuis un moment. Elle va partir pour la WNBA, c'est une star là-bas potentiellement, au New York Liberty, le club où est passé Marine Johannes notamment, le club de Marine Fotoux. Donc on s'est posé la question, est-ce qu'on pourra la voir quand même pour les quarts de finale, au moins, Kennedy? Oui, je resterai pour les deux matchs des quarts de finale. Et après ça, je serai parti. Ça va être important de l'avoir, Kennedy Burke contre Angers. Pas une bonne nouvelle pour les Angevines? Oui, après, Kennedy, surtout, on l'attend pour les demi et la finale. Après, contre Angers, j'ai envie de dire, même sans Kennedy Burke, sans enlever voilà, le niveau d'Angers et ce qu'elles ont produit cette saison, mais même sans Kennedy Burke, je pense que Villeneuve-d'Ascq est clairement au-dessus. Oui. Il y a une profondeur. Oui, en effet, pas une bonne nouvelle pour Angers. Ça, il y a une profondeur, mais j'aurais préféré qu'elle ne fasse pas du tout les playoffs. Ah ouais? Pour voir Keisha Hampton. Quitte à ne pas les faire, ne pas les faire. Oui. C'est-à-dire laisser à Hampton l'opportunité de prendre plus de rythme, justement face à un adversaire moindre, même si bien sûr on respecte Angers, mais il faut être pragmatique. Et, ça peut casser quelque chose de la faire jouer contre Angers? Alors c'est mon opinion bien entendu, mais j'aurais privilégié le fait de donner plus de rythme à Hampton, sachant que de toute manière Burke n'allait pas aller jusqu'au bout. Je suis plutôt d'accord aussi. Keisha Hampton qui a joué le dernier match avec Villeneuve-d'Ascq qu'on vous avait commenté sur Sport en France et qui devrait donc participer au moins à la demi-finale, voire à la finale pour Villeneuve-d'Ascq si elles vont jusqu'au bout. On avait aussi envie de poser une question à Kennedy sur le fait de ne pas disputer potentiellement la suite des playoffs. Est-ce qu'elle a toute confiance envers ses coéquipières? Oui, bien sûr que j'ai confiance en mes coéquipières et mon équipe qui puisse gagner le titre. C'était l'objectif qu'on avait depuis le début de la saison. Je pense que les pièces qu'on a rajoutées, les pièces qui sont disponibles nous permettent de pouvoir avoir cette prétention. Et beaucoup de gens n'avaient pas foi en nous en début de saison pour qu'on puisse le faire. Mais on est non seulement aussi bien que la saison passée, mais encore meilleur cette saison. Donc cette saison, c'est légitime pour elle d'avoir cette ambition. Elle pense qu'elles peuvent le faire. Elle est confiante sur le SBVA favori, le SBVA cette année ou pas? Oui, je dirais favori au vu de ce qu'ils ont produit cette saison. Après, c'est vrai que quand on retire Kennedy Burke de l'équipe, c'est plus compliqué. Mais comme l'a dit Dominique, le danger vient de partout. Et puis Keisha Hampton, qui la remplace, c'est pas n'importe qui quand même. Elle a réalisé deux grosses saisons à Villeneuve-d'Ascq, à Bourges aussi. Mais il y a toujours beaucoup de qualité. Quand on parlait d'alchimie, justement, le problème d'Hampton, c'est pas le talent. Et une fois de plus, combien d'équipes on a pu voir sur le papier être vraiment impressionnantes, voire faire peur, mais au final, dans l'exécution, sur le terrain, c'était pas fluide. C'est pour ça que je suis d'accord avec vous. Pour moi, il faut faire jouer Keisha Hampton dès les quarts de finale pour lui donner du rythme et l'intégrer vraiment pleinement à l'effectif des Guerrières. Ouais. Kennedy Burke qui remporte donc son deuxième trophée de suite. On appelle ça un back-to-back. Aux États-Unis, on appelle ça un three-peat. Quand on le fait trois fois de suite, forcément, j'ai envie de lui poser la question. Est-ce que propose un three-peat, ça veut dire que potentiellement, elle serait toujours là à Villeneuve la saison prochaine ou en tout cas en LFB? Je lui ai posé la question. I don't know. Whatever happens, happens. Ce qui se passera, se passera. Je ne peux pas penser aussi loin devant. Je veux juste rester dans l'instant présent et profiter de ce que je vis à l'heure actuelle. Bon, elle a moyennement répondu, mais en tout cas, on a elle le sourire. Elle a rigolé. Elle a senti la filouterie quand même. Là. Elle a botté en touche. Pour affronter cette équipe de l'ESBVA, il faudra battre Bourges, Dominique. C'est l'enjeu, vous avez envie d'y croire, vous avez envie de battre cette équipe? On a des ambitions parce qu'on sait qu'on revient de loin et qu'on est arrivé là à force de travail et qu'on a prouvé de belles choses aussi cette saison. Donc nous, on n'a pas peur vraiment. On ne va pas dire qu'on va aller au play-off et qu'on va battre Bourges, mais on va jouer pour gagner parce qu'on ne va pas jouer pour perdre, ça c'est sûr. Donc, ça reste du basket. Voilà. Est-ce qu'en match aller-retour, c'est un avantage ou pas? Vous commencez chez vous en plus. On commence chez nous. Ça peut être... Je pense que c'est un avantage quand même plutôt que sur trois matchs parce qu'en trois matchs, c'est plus compliqué, les grosses équipes vraiment en deux matchs, enfin en deux victoires. Tu préfères finir à la maison? Tu préfères commencer à la maison ou finir? Je préfère finir à la maison, moi, personnellement. Ah, ouais. C'est vrai. Mais bon, là, on n'a pas l'avantage du terrain. Mais en vrai, sur trois matchs, je pense que Bourges, nous, sur trois matchs, compliqué parce que déjà, on n'a pas un énorme effectif non plus aussi. Donc, nous, on sait que aujourd'hui, c'est ça notre limite, même sur plusieurs matchs, qui nous a coûté. C'est ça. Donc, la formule en deux matchs, ça peut être un peu à notre avantage. Commencer chez nous, commencer fort. Voilà, peut-être mettre la pression. Un écart, voilà, c'est ça. Donc, et après... On sent que ça... Non, mais on travaille pour. Votre dernier match, justement, face à Bourges, qui était l'avant-dernière journée de la saison régulière. Vous perdez de 7 ou 8 points, je crois. Comment tu l'as vécu, ce match, toi? On t'a vu peut-être un peu en difficulté face à une grande Kayla Alexander, encore une fois.
Non, c'était, ouais, c'était vraiment une rencontre compliquée parce que bah, déjà, jouer Bourges, c'est toujours un match que tu prends un peu. Nous, toutes, déjà, nous les jeunes, on va le prendre personnellement parce qu'on veut prouver, il y a des grandes en face. Enfin, voilà, c'est toujours un peu particulier. Et après, voilà, pendant la rencontre, quand tu vois que tu es en difficulté, voilà, Kayla a été très, très forte ce match-là, vraiment. Donc, voilà, des fois, c'est un peu dur de sortir un peu de cette spirale. On sait aussi que nous, le TGB, on n'est pas la meilleure équipe. Pour attaquer la zone, je pense qu'on commence à être scoutés, donc voilà, ils nous ont fait de la zone. On n'a pas trop su trouver les réponses aussi, donc voilà, ça montre juste qu'on a encore beaucoup de choses à travailler. Et voilà, ça nous a déjà un peu posé le tableau sur quoi se préparer pendant les playoffs, parce que quand on prend notre match aller à Bourges, on a joué à 5, c'était pas vraiment la même configuration. Donc là, on sait vraiment de quoi on part et sur quoi on doit travailler pour pouvoir regarder cette équipe de Bourges les yeux dans les yeux, parce que comme tu l'as dit, on n'était pas si loin que ça finalement. Ouais, de retour à l'entraînement dès demain pour Dominique Malonga avec François Gomez, on l'a compris. Il y aura donc ce match, ce sera le 18 avril pour ceux qui veulent suivre ce Tarbes Bourges. Ils le veulent tous. Oui, bah, ils le veulent tous. Et j'aurai le plaisir d'être au commentaire avec Fred Weiss, oui, je pense, c'est ça, je sur confirme. Ce match. Exactement. À 20h50 pour l'horaire précise. On a découvert tous les trophées de LFB. Un petit mot quand même pour les trophées de LF2, parce qu'il y a une deuxième division qui a fait de très très belles choses cette année avec le 5 majeur de ce trophée de meilleur équipe meilleure 5. Est-ce qu'on a le 5 de LF2, les trophées avec Fleur de Villers pour Aulnoy, le voici, Kendall Cooper pour Montbrison, Mariam Darami pour Aulnoy, Ashton Prechtel pour Mondeville et puis Hélène Yakovlevitch pour Aulnoy. La sensation Aulnoy, hein, trois joueuses qui d'ailleurs ont fini leader avec 19 victoires pour 3 défaites. Un petit mot sur l'équipe en général? Des choses prometteuses. C'est surtout niveau, qu'on a un dernier carré de LF2 très, très intéressant. Les playoffs ont démarré. Hein, ah ouais, les playoffs ont démarré. Le dernier carré est très, très intéressant. Donc, bon, Mondeville n'avait pas les armes pour exister au-delà du premier tour. Mais on sait très bien que pour avoir une LFB de qualité, bah, il faut des équipes de LF2 ambitieuses qui puissent être en compétition, construire. On voit l'équipe de Charnay, bah, ils sont issus de la LF2. Hein. Ouais. Et c'est ça qui est vraiment intéressant parce que c'est aussi un réservoir de jeunes talents qui vient abreuver par la suite la LFB, des jeunes qui sont membres des équipes de France U20. La transition est toute faite, Angelo, hein, sur la jeunesse. Parce que, ah non, mais c'est un la perche. La meilleure jeune, Fatoumata Touré, élu meilleure jeune avec Nice. Un peu plus de 9 points par match, la voici. La meilleure coach, Corinne Benintendi, l'entraîneur de Montbrison depuis 2013, saluée également pour ses performances avec Montbrison. Et puis, on a parlé de Kendall Cooper, élu MVP avec des stats monumental, 18,3 points, 9,4 rebonds, un peu plus de 2 passes, quasiment 2 interceptions, plus de 1 contre à 22,3 d'évaluation. Sur l'ensemble de la saison, on devrait peut-être la revoir pour plus tard, pourquoi pas en LFB. Les playoffs, on y va ? Allez, sans transition, les playoffs de LFB, on va en parler avec nos braquettes. Qui pour stopper le SBVA ? C'est la question qu'on pose. Nos braquettes avec d'abord celui d'Angelo, peut-être pour le découvrir. Okay. Celui d'Angelo, qui voit qui champion à la fin de la saison ? Eh bien moi, je vois Bourges. Ok. Je vois Bourges tout simplement parce que Kennedy Burke ne sera plus là. Et je pense que ça peut être le petit grain de sel dans cet engrenage si soyeux depuis le début de la saison. Et puis parce que Bourges est aussi une équipe extrêmement dangereuse avec une raquette particulièrement performante et dense et avec une homogénéité qui permet à cette équipe de voir le danger provenir de partout à la même échelle que Villeneuve-d'Ascq. Donc bien entendu, hein, sans avoir l'avantage du terrain, une victoire de Bourges contre le SBVA. C'est possible, okay. C'est possible. Elles sont capables d'aller en prendre un. Donc, et j'avais donné en 3 matchs. Hein. En 3 matchs. En 3 matchs, oui. Lucien, vous partagez l'analyse ou vous avez un, pendant qu'on voit bien sûr toujours Kayla Alexander dans sa domination à l'intérieur, est-ce que c'est Bourges aussi vos championnes ? Je comprends l'analyse dans le Géo. mais j'ai opté pour un autre bracket, moi. Ouais. Je pense que Villeneuve-d'Ascq va le faire. Parce que pour toutes les raisons qui ont été évoquées juste avant, aussi l'avantage du terrain, le Palacium, on se rappelle hein, l'an dernier, hein, elles prennent le match 1 hein, quand même hein, contre l'Asvel. Franchement, jouer au Palacium, c'est extraordinaire. Et puis même sans Kennedy Burke, je pense qu'il y a quand même un effectif assez rodé et de qualité pour pouvoir gagner ce titre cette année. Mais moi, ma petite surprise, elle arrive en finale. Leur concurrente en finale serait Basketland pour moi. Okay. Exactement. Sans avoir l'avantage du terrain ouais, aussi. Je suis joueur, hein, vraiment, je suis joueur. Je les vois perdre en finale hein, en 2 matchs.
Mais je les vois en finale parce que cette équipe, c'est mon équipe coup de cœur cette saison. J'étais le premier à être un peu critique avec cette équipe à l'intersaison, avec tous les départs. Hein, 80% d'effectifs qui changent. Regan Magariti, Céline Dumer qui prend sa retraite. J'étais un peu dubitatif, je n'y croyais pas trop, même en voyant le recrutement. Et puis au final, une saison mais incroyable, vraiment surprenante, avec... beaucoup de très belles recrues, hein, le gros coup Alexis Peterson. On a eu également Luisa Gesell-Soder, hein, Lucas vous en parliez, hein, quand elle a mis ce panier décisif au buzzer contre Villeneuve-d'Ascq. Elle fait une énorme saison. Ouais, et nous on l'avait commenté l'an dernier avec Angelo à Roche-Vendée, hein, contre le BLMA en quart de finale. Et elle nous faisait un peu de la peine, Luisa Gesell-Soder, parce que ça a été très compliqué pour elle. Elle est en grande difficulté tout au long de la saison, et puis là elle sort une saison monstrueuse. Pas loin pour moi d'être dans le 5 majeur même. Pendant qu'on voit Alexis Peterson, là, à l'image, la question qu'on se posera peut-être, c'est est-ce qu'elle peut emmener Basketland vers les sommets, elle qui va vraiment avoir des grosses ambitions. Elle est passée par là avec Angers, mais là, c'est autre chose avec Basketland. Ouais, après, ce qui est beau avec Basketland, en fait, c'est que c'est dur de ressortir une joueuse. On parle d'Alexis Peterson, par exemple, avec Angers. Oui, Alexis Peterson pouvait sortir des matchs à 50 d'évaluation. Là, avec Basketland, ça n'a pas été le cas cette année. Elle est aussi passée au travers quelques fois, mais c'est tout un collectif, en fait, qui a réussi à emmener cette équipe où elle en est, troisième du classement de la saison régulière. Donc vraiment, non, que des joueurs. Donc si je ne me trompe pas, tous les deux, vous voyez à la fois Charnay sortir Latte Montpellier et donc l'Asvel sortir Basketland. Basketland sortir l'Asvel. Moi, pour le coup, je maintiens Montpellier. Je maintiens Montpellier dans le dernier carré. D'accord. Je pense que ça va être la même configuration que la saison passée où Montpellier s'en sort avec le pointavérage. C'est-à-dire qu'une victoire chacune et Montpellier qui s'extirpe. Alors oui, j'aurais dit 2-0 aussi. Effectivement, pardon, vous aviez bien Montpellier dans le dernier carré. J'aurais dit 2-0 si la raquette montpelliéraine était intacte, elle ne l'est pas. Je pense qu'elles ont cette expérience du très haut niveau et des joueuses qui ont le talent individuel pour pouvoir, sur une série, faire le boulot, même si je pense qu'après, elles n'auront pas les ressources pour l'écart. Mais le truc important, Lucas, c'est que dans notre haut de tableau, Lucien a parfaitement décrit Basketland, ce qui est tout à fait applicable à Bourges. Il n'y a pas vraiment une joueuse qui ressort. Villeneuve-d'Ascq, on a Kennedy Burke, mais on a bien expliqué, et elle le dit elle-même, que c'est... Et les tenantes du titre, alors, l'Asvel, impossible de passer Basketland, impossible. Rien n'est impossible. D'ailleurs, c'est du basket et ils ont recruté. C'est pas... On se demande encore le niveau actuel de l'Asvel, puisque Gabi Williams, on a compris qu'elle ne reviendrait pas, mais Marine Johannes peut tout à fait revenir. Elles ont le talent, je pense qu'elles n'ont pas l'alchimie. D'accord. Et à ce niveau-là, surtout si on imagine une finale en 3 matchs et aller gagner à l'extérieur, elle ne présente pas suffisamment de garanties. C'est très compliqué. Je pense qu'on a un trio de tête interchangeable. Que ce soit Basketland, Bourges ou Villeneuve-d'Ascq qui gagne, il n'y aura pas vraiment d'étonnement. Elles sont tout à fait capables, les trois. Donc on s'amuse à faire nos pronostics, mais on sait très bien que ça va une de ces trois équipes. Que ce soit quelqu'un d'autre que ces trois équipes, c'est là où... Tarbes. On tomberait les nuits. Excuse-moi, Dominique, mais non. Pourquoi pas? Ouais, j'allais demander à Dominique, les champions de cette année, Tarbes? Oui, Tarbes. Moi, non, j'avais une question au piège pour pourquoi Dominique, pas rapidement, Angelo. Diaby ou Yakubu, c'est qui la plus compliquée à défendre poste bas? Moi, je dirais Yakubu quand même. Yakubu quand même? Parce qu'elle connaît son métier. Plus elle d'envergure connaît... peut-être encore? Non, c'est vraiment qu'elle a la réponse à tout. Tu défends... Non, mais genre, comment expliquer? C'est vraiment... Elle te sent dans son dos et par rapport à commenter, elle sait où tourner, elle sait quoi faire, elle connaît son métier, tu le sens. Diaby, elle est hyper physique, ça c'est sûr. Quand t'es derrière, ça c'est sûr. Elle a de très très bonnes mains, enfin, c'est une excellente intérieure, vraiment. Mais Isabelle est un peu plus grande quand même. Ouais, déjà, un tout petit légèrement, hein, vraiment pas tant que ça. Mais c'est vraiment que techniquement, Isa, elle a réponse à tout. Elle sait, elle connaît par cœur sa raquette, elle connaît par cœur. Donc vraiment, c'est son royaume. Pas pour rien que c'est une légende. Kariata Diaby qu'on devrait retrouver l'année prochaine du côté de Bourges, d'après des informations. Petit mot quand même pour les deux joueuses de l'Asvel dont on parlait. Gabi Williams, vous allez voir les statistiques, ne sera pas là, hein, pour ceux qui arriveraient d'une autre planète, là tout de suite maintenant, pour la saison prochaine. Voilà. Et puis Marine Johannes, petit point d'interrogation. Est-ce qu'on reverra Marine Johannes cette saison avec un maillot de l'Asvel? Elle qui devrait, d'après les informations de Tony Parker, ne plus être là l'année prochaine. Ouais. Voilà. Non, c'est les, Alors, c'est les champions de France en titre, il faut en parler. Je ne veux pas le dire de manière qui sera mal interprétée, mais voilà, le navire coule un petit peu là. D'accord. Ah, et puis c'est vrai qu'il faut arriver en confiance sur des playoffs. Là, c'est une dynamique. Physiquement, ça ne va pas. Il y a beaucoup de joueurs fin de saison ou blessés. Et puis dans les têtes. Vous savez, Lucien, ce que Basketland n'a pas. Comment ? Vous savez ce que Basketland n'a pas, Lucien ?
Dites-moi. C'est la déesse de la chasse, Artemis. C'est bon, voilà. Merci. Ça sera une belle conclusion de fin. Merci Angelo. Non, mais si je ne faisais pas la dédicace, wow. C'était pas possible. Merci en tout cas à Dominique d'être passé. Félicitations encore pour votre trophée. Et savourez pendant ces playoffs. Allez le plus loin possible, on vous le souhaite. Merci beaucoup, messieurs, aussi de m'avoir accompagné. Merci on Lucas. On se retrouve pour les playoffs. 18 avril, on le rappelle. Asvel Basketland dès 19h sur Sport en France. Tarbes Bourges, 20h50. De toute façon, tous les playoffs sont à vivre en intégralité des quarts jusqu'à la finale. Merci à François Caudal à la réalisation, Julien Perronnet à l'édition, Angel Jamar à la vision, Paul Lebray au son et Sandrine David au maquillage. Des gros bisous et à très vite pour les playoffs. Ciao.